Salut tout le monde, bon matin à tous. J'espère que ça va bien, que vous passez une belle journée jusqu'à présent. Donc, bienvenue parmi nous à ce nouvel entraînement Facebook Live classique de 11h. Donc, moi c'est Annabelle et je vais être avec vous pour l'entraînement du jour. Donc, je laisse quelques minutes encore pour que les gens finissent de s'installer. Allez chercher votre bouteille d'eau si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous n'avez besoin d'aucun autre matériel, donc ça va être assez simple côté matériel aujourd'hui. Donc seulement bouteille d'eau à aller chercher. Et je vous invite à commenter, à me signaler votre présence dans les commentaires, me dire que vous êtes là, que vous participez avec moi, que vous êtes prêts à travailler fort aujourd'hui. Donc toujours le fun de lire vos commentaires et de savoir que vous êtes une belle gang avec moi. Donc, le plan de match aujourd'hui, en attendant que vous finissiez de vous installer, je vous explique ce qui va se passer. On a un entraînement qui est cardio et musculaire. Donc, un combo d'un petit peu tout aujourd'hui, là, un beau mélange pour un travail complet du corps. Ça va être un drop set cardio et musculaire. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, on a fait un drop set là, la semaine dernière. Il s'agit d'un entraînement, en fait, où on va commencer les exercices avec une durée plus longue. Puis à mesure que ça va, ben plus la durée va diminuer. Donc c'est un circuit décroissant qui devient de plus en plus facile à mesure que ça va. Donc important bien sûr de respecter vos capacités à travers tout ça. Donc de prendre les options plus dures, les options plus faciles si vous en ressentez le besoin. Donc je vais donner plusieurs alternatives au cours de l'entraînement. N'hésitez pas à les prendre, elles sont là pour ça, là, pour qu'on puisse adapter l'entraînement à ce que vous voulez avoir. Donc, ça va se dérouler comme suit. Donc, échauffement, 5 minutes tout d'abord, suivi de ma durée drop set, donc qui va être 15-20 minutes environ. Donc, on va avoir 6 exercices à répéter. Premièrement, pour une durée de 40 secondes, ensuite une durée de 30 secondes, puis finalement une durée de 20 secondes. Je vous explique les exercices tout à l'heure. Et on aura notre tour au calme, 5 minutes à la toute fin pour bien clore la séance. Donc, ça va se passer comme ça, un total environ 30 minutes, 30-35, là, puis ça va être fait. Alors, préparez-vous, on commence ça dans les prochaines secondes. Je suis de retour, désolée pour le petit délai. On va commencer avec l'échauffement. Donc, un 5 minutes, donc ça vous permet de bien vous installer du moins. On va commencer avec l'échauffement, comme je disais, donc pour préparer son corps à bien bouger, à l'activité physique qui s'en vient. Donc, commençons avec de la marche pour débuter. On prend une belle posture, bien allongée. Et on va monter sur la pointe des pieds dès que vous êtes prêt pour aller réchauffer les chevilles. Super. En même temps, ajoutez les mouvements des bras pour les ciseaux. On ouvre les bras en largeur comme ça, les paumes de main vers l'avant et on croise faisant des X. On va continuer les pointes de pied en même temps. Super, quelques répétitions encore de ciseaux. Good. On ramène les pieds au sol. On continue avec les talons. Marche sur les talons. On lève les orteils. Et on va tirer les bras vers l'arrière en même temps par une tirade. On colle les omoplates en même temps. Là, je le fais sur place, là, mais vous pouvez le faire en déplacement, évidemment, pour faire changement. Good. On arrête le mouvement de bras. On ramène les pieds au sol aussi, bien à plat. On va faire quelques squats. Premièrement, squat intérieur et squat extérieur, donc large et étroit. Ça. Donc, on change de côté à chaque fois. On est en train de bien descendre.
pas nécessaire d'aller rapidement pour l'instant, là. On est dans l'échauffement, donc on se garde une intensité qui est faible. Encore un dernier, puis un dernier en largeur. Good. Reviens sur place. Rotation des épaules. Donc, on a conservé les pieds ici, largeur des épaules. Vous pouvez intégrer une petite marche en même temps. Et on tourne les épaules dans l'autre sens. Rotation arrière. Et parfait. Et on arrête le mouvement ici. Pour une rotation du tronc, on peut placer les deux mains ici devant, donc les coudes vers l'avant. Et on tourne de gauche à droite sans bouger le bassin. On garde ça bien droit. Puis là, tout petit mouvement pour aller échauffer les obliques. Il reste quelques exercices encore dans l'échauffement. On va arrêter celui-ci et passer au talon-fesse. Donc, soit en déplacement, soit sur place. On va porter le mollet vers l'arrière de la cuisse, tout en tirant les bras vers l'arrière. Donc, ça s'appelle un talon-fesse, mais vraiment pas nécessaire de toucher le talon à la fesse. On s'en va dans cette direction-là, mais c'est pas grave, on se rend pas. Good. On s'arrête ici. Reviens, posture de base qui est largeur des épaules. On va chercher un petit peu l'équilibre et le mouvement dans la hanche avec l'abduction comme ceci. Une ouverture comme un ciseau. On ouvre puis on ferme. On garde soit les mains sur les hanches. On peut tenir un mur, un dossier de chaise si l'équilibre est difficile. Et de l'autre côté, on se réinstalle. Mini flexion dans le genou à la jambe d'appui toujours. Et regarde droit devant pour avoir un bon alignement au niveau de la colonne, puis d'intégrer aussi là, la ceinture abdominale. C'est beau. On ramène les pieds au sol. Pour terminer l'échauffement, on va y aller avec une flexion latérale du tronc. Pour aujourd'hui, c'est avec les bras le long du corps comme ceci. Et descendre d'un côté et de l'autre côté. On alterne. De gauche à droite, pas nécessaire de faire un très grand mouvement non plus. On veut simplement sentir un léger étirement de chaque côté. Ok, sans tenir la position, là, juste d'aller porter et de revenir tout de suite à la position de départ. On va une dernière fois à chaque côté, ici, et de ce côté. Et voilà, parfait. On a terminé l'échauffement. Allez prendre une gorgée d'eau si nécessaire. Ensuite, on revient avec l'explication du drop set. Donc, je vous explique tous les exercices qui vont être faits dans la prochaine période. Plusieurs exercices qui vont être faits là, un à la suite de l'autre pour différentes durées. Les 6 exercices, on va les faire une première fois, toute la gang pour 40 secondes. Ensuite, on refait ça pour 30 secondes et on refait ça pour 20 secondes. Fait que vous avez juste 6 exercices au total. En fait, 5 parce que le 6e, c'est une pause, un petit bonus comme ça. Fait que 5 exercices différents que je vais répéter au fur et à mesure aussi. Démonstration, pas besoin de le faire tout de suite, sauf si vous voulez vous pratiquer. On commence, le premier, ça va être un sumo squat, donc les jambes larges comme ça, les pieds légèrement en ouverture, et descendre en squat, là, sumo, donc pousser les fesses vers l'arrière en gardant les genoux alignés avec les orteils. Et c'est un sumo squat rebond, donc je vais descendre au complet, ensuite je remonte à moitié, je fais une petite répétition et je remonte. Donc si je le fais rapidement, comme ça, je rebond en bas avant de remonter complètement. La largeur des jambes, là, c'est vous qui choisissez selon votre confort. Ok, si ça devient plus difficile, revenez en squat normal, les pieds dirigés vers l'avant, et vous pourrez faire un squat rebond sans la position sumo. Deuxième mouvement, step up. Donc, il n'y a pas de pause là, entre mes mouvements. Fait qu'on va essayer de faire une transition le plus rapide possible pour pas perdre de temps. Donc, step up de côté comme un step touch, mais monte sur la pointe des pieds. Et si tu veux plus, tu y vas avec des vrais sauts. Et on va utiliser les bras pour se propulser vers le haut. Troisième, jumping jack. Comme ça, version classique, version plus dure.
Power Jack en absorption, comme ça. Donc, on descend de façon fluide. Et version plus facile ou version sans saut, là, qui peut être difficile quand même, on pointe de côté et on peut aller avec les bras comme ça. Donc, il n'y a pas d'impact à ce moment-là. Quatrième exercice. J'achève. On s'en va au sol, au numéro 4, pour le pont. Donc, on le fait de temps en temps pour travailler les fessiers. On place les pieds à plat, les genoux largeur des épaules, les bras le long du corps. Donc, c'est pas un pont juste monte-descend. On va monter. Rendu en haut, ouvre les jambes. Referme et redescend. Puis on continue comme ça. Donc, monte, ouvre, ferme, descend. Le dernier exercice, donc le cinquième, c'est encore au sol. On va faire les ciseaux pour les abdominaux. On peut s'appuyer soit sur les coudes comme ça, ou bien moi j'aime bien faire coucher sur le dos complètement avec les mains sous les fesses pour m'assurer d'avoir une belle position au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du bassin, pour pas avoir le dos creux. Donc on soulève les jambes, on va faire des ciseaux en croisée. Et vous allez sentir travailler vos abdominaux de cette façon-là. Donc ensuite, on a le sixième exercice qui est la pause en fait, puis on recommence pour 30 secondes et 20 secondes. Et on fait ça deux fois au total. Donc voilà, j'ai fini mes explications. On va pouvoir commencer. Alors, pour 40 secondes, premier exercice, sumo squat avec rebond. C'est parti. On descend, on fait un rebond en bas et on remonte. Comme ça, tout en conservant les jambes super larges, les genoux alignés avec les orteils. Et comme je disais, si la position ne convient pas, vous pouvez refermer un peu vos jambes pour être plus étroit, plus confortable. On essaie de toujours garder les genoux alignés avec les orteils. Il reste 10 secondes. Et expire en remontant. Dans 2, le step up. On ne prend pas de pause, on y va tout de suite, 40 secondes. De côté, monte sur la pointe des pieds. On poursuit comme ça. De côté, monte sur la pointe des pieds. Et on utilise les bras pour aller vers le haut. OK, on monte bien haut. Et si on veut plus, on met des vrais sauts avec ça. On peut descendre plus bas aussi avec les jambes, aller chercher de la propulsion. Il reste 10 secondes avec mon step-up. On continue. Open grip. 3. Jumping jack. C'est parti. Version 1. 40 secondes encore. Je vous rappelle la version sans saut. Comme ça. Pointe de côté. Et la version plus dure. Absorption. En power jack. Mais on ne bloque pas les genoux. Hein, on veut toujours un mouvement fluide sans bloquer. Je vais continuer en version classique. Prenez la version qui vous plaît pour 10 secondes. Prochain combat, c'est d'aller au sol. Fait que on essaie de faire ça rapidement dans 3, 2, 1. Couchez sur le dos. Les pieds à plat. Lève les fesses. Ouvre les jambes. Referme. Descends. Et on recommence. Donc monte. Ouvre. Ferme. Descends. Monte, ouvre, ferme, descend. Et si ça va bien, là, on va essayer de ne pas déposer les fesses à chaque fois au sol. De toujours garder une petite distance. Mais si on a besoin, on n'hésite pas à déposer et à prendre quelques secondes de repos. Il reste 10 secondes. Le prochain est aussi au sol pour nos abdominaux. Donc, on dépose les fesses maintenant. On peut placer même les mains sous les fesses pour une meilleure posture. Allonger les jambes et on croise en ciseaux pour 40 secondes. Donc, à chaque fois, c'est une jambe différente qui passe par-dessus. On les alterne. Et là, plus vous êtes bas et plus vous êtes allongé, ben, ça va être un petit peu plus difficile. Fait que si on veut plus facile, on va monter un peu. Mais pas trop, parce que vous quand même pas trop que la gravité nous aide. Il reste 5 secondes. On lâche pas les ciseaux. 2, 1, relâche. Et maintenant, on a 40 secondes de pause. C'est notre exercice 6, qui est la pause. Donc, l'exercice le plus facile de la gang.
On va recommencer le même circuit après cette pause pour une durée de 30 secondes par exercice. Donc, vous savez qu'est-ce qui s'en vient, vous savez qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été. Fait que vous pouvez choisir les options, soit plus dures, soit plus faciles, ou garder la même version si ça vous convient. Vous pouvez vous relever. On va commencer dans 10 secondes avec le sumo squat rebond. On va s'installer tout de suite, les jambes larges. 2, 1, c'est parti. Descends, remonte, avec un rebond en bas. Et cette fois-ci, c'est seulement 30 secondes par mouvement. Ça va passer plus vite. Donc, on est dans le premier drop set toujours. Je vous rappelle qu'on en fait 2. Donc, il va falloir refaire une deuxième fois tantôt, là, quand on sera rendu là, la durée de 40 secondes. Et ça va bien se passer. Il reste 10 secondes. Pousse les fesses vers l'arrière, garde les genoux alignés avec les orteils et expire en remontant. 2, 1, step up, de côté, pointe des pieds. Hop! Donc, step et hop. Pour ça que ça s'appelle le step up. On s'en va en saut, ça en fait un petit peu plus. Et utilise les bras comme pour se prendre un élan. On se propulser vers le haut. 10 secondes. Pour 3, 2, 1. Et jumping jack. C'est parti. 30 secondes aussi. Les autres versions s'appliquent encore si vous les préférez. Donc, n'hésitez pas à faire l'option sans saut. Si vous préférez ne pas sauter. Donc, en pointant les pieds de chaque côté. Il reste 10 secondes au jumping jack. Après ça, on va s'en aller au sol pour les fessiers. Dans 5. Et on descend tranquillement, couché sur le dos. On garde les genoux alignés avec les orteils. C'est parti. Lève. Ouvre. Ferme. Descends. Et allez chacun à votre vitesse. Là, c'est pas grave si on n'est pas tous au même rythme. Et ici, cet exercice-là, plus vos jambes sont loin, plus ça va être difficile pour vos ischio-jambiers. Fait que si vous êtes, vous sentez que c'est trop difficile, rapprochez vos pieds de vos fesses. On reste en bas, on reste au sol. Les ciseaux. Allongez les jambes. C'est parti pour 30 secondes. Et on veut un mouvement contrôlé. Pas nécessaire d'aller très vite. On respire. On garde le dos bien à plat. 10. Donc, on veut pas que le dos décolle du sol. 2. 1. Stop. On est en pause pour 30 secondes. Donc, déjà là, ça a été quand même beaucoup plus rapide que la première fois. On refait les mêmes exercices pour 20 secondes chacun cette fois et on va compléter ainsi notre premier drop set. Après, on va pouvoir refaire la même chose une deuxième fois. Donc, dans 10 secondes, ça repart. On peut commencer à se relever tranquillement. Prenez des gorgées d'eau quand vous voulez, hein. Je l'ai pas dit, j'ai pas annoncé de pause pour ça, mais à vous de gérer ça et d'y aller quand vous voulez. On s'installe. Sumo squat rebond. C'est parti. 20 secondes. Descends et remonte. Expire en remontant. Donc là, 20 secondes, c'est vite. On n'aura pas le temps de le faire longtemps. Dans 3, 2, 1, step up tout de suite, de côté, et saute. Ou monte sur la pointe des pieds. Et let's go avec les bras. On essaie de garder un mouvement dynamique, de garder le même rythme tout le long, de ne pas ralentir. 5 secondes. Et le jumping jack, 2, 1, go. 20 secondes, jumping jack. Vous allez chercher des sauts, sans sauts, d'absorption ou bien une variation de vitesse. On peut faire le même mouvement plus vite ou plus lent. 3. Ça va au sol. Maintenant, sur le dos, 20 secondes, hop, ouvre et referme, descend. Toujours en poussant les fesses bien comme il faut vers le haut. Et on n'essaie pas de déposer au complet. Prochain exercice. Ciseaux. C'est parti. Seulement 20 secondes.
garde une respiration régulière et ne bloque pas, ne creuse pas le dos. Pour 5. Et relâche. Excellent. Donc, on va prendre une pause ici, donc une bonne pause de plus que 20 secondes, donc environ une minute. Et allez prendre de l'eau. Puis on va recommencer les mêmes exercices. On a fait un premier drop set, donc on en a un deuxième à faire. Ça va être la même chose, on a les mêmes exercices, les mêmes durées. Donc une première fois 40, deuxième fois 30 et troisième fois 20 secondes. Donc ça se fait super bien, ça prend à peu près 8 minutes. Et comme vous avez vu, on refait le même principe. Si vous avez besoin d'adapter les intensités, par exemple, là, si vous commencez à manquer d'énergie, faites juste ralentir l'allure, prenez des pauses quand vous voulez, allez prendre de l'eau quand vous voulez et prenez des options plus faciles pour les mouvements. Donc, il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Fait qu'on s'adapte. J'espère que vous êtes prêts, que vous commencez à avoir un petit peu chaud, que ça travaille fort jusqu'à présent. On commence notre série. Okay? On est pas mal prêts. Avec sumo squat rebond pour 40 secondes. Fait qu'encore une fois, tous les exercices se font sans pause. Donc, on s'installe les jambes larges. Et puis, on va partir ça maintenant pour 40 secondes. Descends, rebond, remonte. Expire en remontant, comme tantôt. Et si, je le répète encore, là, mais si la position elle marche pas pour n'importe quelle raison, ramenez comme ça ici les pieds largeur des épaules. Faites la même chose avec le rebond en bas, mais en gardant toujours les pieds largeur des hanches ou des épaules. Ça peut être une belle option pour ceux que la position large ne convient pas. Il nous reste 5 secondes. Avec le sumo squat rebond, pour le step up, dans 2, 1, on y va, c'est parti. Donc avec saut, ou encore sans saut, et on peut y aller en variant la largeur aussi. Donc plus vous allez large, plus ça va être difficile, mais si on le fait très étroit, ça peut être un moyen de rendre ça un petit peu plus facile. Donc on continue avec l'option de son choix. N'oubliez pas vos bras pour que ça bouge. Puis on va aller chercher toujours un petit engagement au niveau de la ceinture abdominale. 5 secondes. Et le jumping jack, maintenant, pour 40 secondes. Donc, version classique. Bien sûr, si on veut plus, version absorbée en power jack et sans saut. Ça peut être comme ça peut être les bras en avant aussi, si jamais vous avez des douleurs dans les épaules, mais ce serait mieux de pas trop monter les bras. Fait qu'on peut les garder comme ça aussi. Ok, il nous reste 15 secondes en jumping jack. Le prochain mouvement, on n'oublie pas qu'il faut aller au sol, fait qu'on va faire une transition assez rapide. 3, 2, 1. Viens s'en coucher sur le dos. Et les fessiers. Dès que vous êtes prêts, on monte, on ouvre, on ferme et on descend. Monte, ouvre, ferme, descend. Toujours comme ça. Okay, les bras peuvent vous aider à maintenir votre stabilité. Ou bien, si ça va bien, vous pouvez les placer sur les hanches, les mains sur les hanches. Ou les deux bras ensemble, les mains ensemble vers le haut, comme ça. 10 secondes. Prochain, on va rester au sol pour aller travailler nos abdominaux avec les ciseaux. Donc, n'oubliez pas, le dos reste à plat. Donc, descend les fesses, on se place et c'est parti maintenant. Donc, vous pouvez placer les mains sous les fesses ou sur le côté, là. C'est à votre choix. C'est parti. C'est pas nécessaire de faire les mouvements super rapides. Le plus important, c'est de garder la belle posture.
Puis il reste 10 secondes. On lâche pas, on essaie de garder les jambes bien soulevées. On a 40 secondes de pause qui s'en vient après ça. 2, 1, relâche. Excellent. Parfait. Donc, on prend son 40 secondes de pause. Profitez-en pour aller boire de l'eau si nécessaire. Et on refait encore une fois nos mêmes exercices pour 30 secondes et 20 secondes. Fait que ça va vite, ça va bien. On a presque fini. J'espère qu'il commence à faire chaud un petit peu plus. Que vous commencez à sentir un essoufflement aussi qui est présent. Donc, c'est normal. Plus l'entraînement avance, plus on a de la fatigue accumulée. On va se lever et on s'en va en position de sumo squat pour aller avec son rebond. Donc, on prend l'option de son choix et on la fait tout le long. Dans 3, 2, 1, c'est parti pour 30 secondes. On va essayer de garder le même rythme aussi tout le long. Chacun son rythme, là, mais essayez de rester constant. Donc, genou en ouverture. Qui est toujours aligné avec les orteils. On fait son rebond en bas et on revient. Reste 10 secondes comme ça. On va chercher beaucoup d'amplitude. Expire en montant. Prends son temps pour être bien placé. Prochain step up. 2, 1. C'est parti. D'un côté à l'autre. Propulsion vers le haut, vers le plafond. Et allongez-vous là, comme si vous alliez toucher au plafond avec vos bras. Si ça ne marche pas avec les bras, là, par exemple, si vous avez des douleurs avec les dans les épaules, vous pouvez toujours garder les mains sur les hanches. 5. Pour le jumping jack ensuite. Dans 2, 1, on part. C'est parti, 30 secondes en jumping jack. Garde une belle posture droite. Toujours regarder de loin en avant. On ne regarde pas les pieds. Il reste 10 secondes. On va se préparer à descendre au sol pour le pont avec l'ouverture. Dans 3, 2, 1. On y va. Couchez sur le dos. Hop. Et on ouvre. Et on continue. Good. On pousse le plus haut possible. C'est pour 10 secondes. Dans 3, 2, 1. Reste au sol. Ciseaux. On est déjà parti. 30 secondes à faire. Et garde toujours le dos le plus collé possible au sol. On veut pas que ça creuse. Et respire. Reste 10 secondes encore. Let's go, on lâche pas. 3, 2, 1. Relâche. Good, on prend une pause de 30 secondes ici. Et on va recommencer par la suite. Dernière fois pour 20 secondes cette fois-ci. Donc, ça va être la série la plus rapide. Ça va bien aller. Si c'est encore, vous avez encore un surplus d'énergie, n'hésitez pas à augmenter vos amplitudes et vos vitesses et à prendre les options plus dures pour votre travail fort. On va en ouverture. C'est mon squat. C'est parti. 20 secondes. Avec le rebond en bas. Et souffle ton air en remontant. Il reste un 5 secondes. Par la suite, step up. Dans 2, 1. Maintenant, step up. Avec saut, sans saut, avec beaucoup d'amplitude ou un peu moins. Vous avez le choix ici. 10 secondes. Allez, let's go les bras. Vers le plafond. Dans 5. Jumping jack par la suite. Et maintenant, c'est parti. 20 secondes. Et n'hésite pas à aller chercher l'option absorbée. Pour 5 secondes, on va descendre au sol. 2, 1, c'est parti. Couchez sur le dos. Ouvrez ferme, on n'essaie pas de déposer au sol.
10 secondes. Deux, un, ciseaux, c'est parti. Le dernier 20 secondes d'effort, gang. On lâche pas. Il en reste seulement 10. Let's go, croise en ciseaux. On maintient une belle posture au niveau du dos. 3, 2, 1, et voilà. On relâche. Good job. Donc, on a fini notre deuxième drop set. La partie difficile est terminée. On va boire une gorgée d'eau. Puis on va juste finir ensemble là, avec notre beau retour au calme pour s'étirer. Ben, on va faire ça debout, fait que vous n'avez pas besoin de votre tapis pour les étirements. Continuez à vous reposer un peu, à récupérer votre souffle, prendre une petite marche aussi, ça aide à récupérer un petit peu plus rapidement. Donc, on va commencer doucement avec notre flexibilité. Donc j'espère que ça s'est super bien passé pour les drop sets. Vous me direz comment vous avez trouvé ça. Est-ce que vous avez trouvé que ça a travaillé fort? Dites-moi ça en commentaire. Et puis quand vous serez prêt, après une bonne gorgée d'eau, on va commencer debout avec de l'équilibre. Donc, si vous préférez vous placer tout de suite près d'un mur, là, on a deux exercices qui vont être un peu plus instables, donc sur une jambe. Fait que placez-vous tout de suite à cet endroit-là. Avec ça, ça va être plus facile d'aller chercher le bon étirement. C'est l'étirement des fessiers pour commencer. Donc, on va toujours tirer la fesse de la jambe qui va être pliée par-dessus comme ça. Fait que la cheville sur le genou opposé et on va descendre. On descend comme si on faisait un squat, donc en poussant les fesses vers l'arrière. Et on va, plus on descend, plus on sent l'étirement dans le fessier. Tenons la position une vingtaine de secondes. OK, on se concentre pour garder l'équilibre. OK, on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Installez-vous, on prend son équilibre. Quand on l'a, on descend tranquillement, on pousse les fesses vers l'arrière. Puis on peut garder les mains sur la jambe, on peut les ramener ici en avant. Ça n'a pas vraiment d'importance, là. Prenez ce qui va le mieux pour vous, pour conserver votre équilibre. Et plus on descend, plus ça tire dans la fesse. Donc on va en chercher là, comme on a besoin, jusqu'à temps qu'on sente un bon étirement. Et on relâche. Encore en équilibre, quittez pas votre mur si vous n'aviez un. Si c'était proche, on va au quadriceps. Avec une jambe comme ça, on prend le dessus du pied et on tire, talon vers la fesse. On essaie de garder une belle posture droite, sans trop s'en aller sur les côtés, sans trop que ça bascule côté du bassin. Toujours avec une mini flexion dans mon genou à la jambe d'appui. On change de jambe. Okay, on s'installe bien droit, on tient la posture, bon équilibre. Et quand on l'a, on reste là. On essaie de toujours garder le genou rapproché de l'autre, donc de ne pas ouvrir, ce qui fera en sorte que le bassin il basculerait aussi. Fait que, en gardant un bon alignement, on devrait avoir le genou toujours proche de l'autre jambe. Super, on va relâcher. Et là, c'est beau, ça devrait être un petit peu plus stable pour les suivants, avoir les deux pieds au sol. Vous pouvez lâcher votre mur. On va continuer avec les ischio-jambiers derrière les cuisses. Placez un talon devant comme ça. Levez les orteils au maximum et ensuite basculez votre poids sur la jambe qui était en arrière. Et plus on descend, plus on sort les fesses, plus ça tire au niveau de la cuisse. Donc derrière la cuisse, derrière le genou pour notre ischio-jambier. On tient ça. Encore quelques secondes. L'autre côté. Même chose. Et toujours avoir les orteils relevés au maximum. C'est comme ça que vous allez ressentir le plus d'étirement. Parce que si j'ai le pied à plat, ça se peut qu'on ne sente pas grand-chose. Fait qu'on lève et ensuite on bascule les fesses vers l'arrière. Tout le poids sur la jambe ici en arrière.
C'est beau. On relâche. On va garder un pied en avant. N'importe lequel. Un grand pas en avant et un grand pas en arrière aussi. Et on place les deux talons au sol. C'est super important pour que ça fonctionne bien. L'objectif est de tirer le mollet de la jambe en arrière. On avance le poids vers l'avant. Donc, transfert de poids sur la jambe en avant en gardant le talon au sol. Et en même temps, on va porter les mains dans le bas du dos et on ouvre la poitrine au maximum. Faire comme deux étirements en un. Good. On relâche les bras. On va changer de pied. Donc, l'autre pied en avant et l'autre pied derrière. Les talons au sol. Ensuite, avance le poids sur la jambe en avant. Cette fois, les bras vont pousser devant. Donc, les deux bras au niveau de la poitrine, à peu près, comme si on poussait le plus loin possible, si on poussait contre un mur, comme pour décoller les omoplates, aller arrondir le haut du dos. Donc, on veut l'étirement dans le mollet et dans le haut du dos. OK, on va relâcher les bras. On relâche les jambes. On y va pour l'épaule et le triceps en croisé. En avant, donc main sur l'épaule opposée et l'autre main ici sur le bras. Et tu vas pousser vers l'arrière, plus loin possible. Attention à la posture, hein, toujours garder une petite flexion aussi dans les genoux. Posture de base, c'est devrait l'avoir en tout temps, même pendant les étirements. L'autre côté, même chose, on part ici et pousser plus loin possible en arrière. Good. Encore quelques secondes. Et on relâche. Pour finir en douceur, on va y aller avec des grandes respirations. Replacez-vous, posture de départ, toujours pied largeur des épaules. On va venir inspirer en ouvrant les bras, monter vers le ciel et expirer en redescendant. On fait ça trois fois. La troisième fois, on va plonger vers le sol à l'expiration. Donc, je vous guide là-dedans. On place les paumes de main vers l'avant. Inspire, grande inspiration. En montant les bras vers le plafond. Donc, remplis les poumons au complet. Donc, c'est chacun son rythme ici, là. Et rendu en haut, on redescend. Tout en expirant, on vide les poumons complètement. Chacun sa vitesse et on recommence. Deuxième fois, on fait la même chose. Inspire, expire. Pour la troisième fois, inspire de la même façon. Et à l'expiration, on va plonger vers le sol. Comme ça. Et ensuite, tu peux monter tranquillement en déroulant la colonne. Une vertèbre à la fois, vertèbre par vertèbre, jusqu'à revenir super droit. On complète votre répétition. Super! Donc voilà, c'est ce qui complète l'entraînement du jour de ce jeudi. J'espère que vous avez aimé ça et puis que vous avez trouvé que vous avez travaillé fort. Donc, toujours plaisant de sentir qu'on a bien travaillé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à nous en faire part sous les commentaires de la vidéo. On va prendre le temps de tout vous lire et de vous répondre. Donc, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous invite à être présent demain, vendredi, pour terminer la semaine avec un autre entraînement à 11h en Facebook Live. Bonne fin de journée!